La mission de l'AGFIP consiste à faciliter l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous accompagnons les organismes de formation à l'accueil des personnes en situation de handicap au travers d'un dispositif qui s'appelle la ressource handicap formation, dont le but est vraiment d'appuyer les organismes de formation dans la mise en place, l'élaboration et le déploiement d'une politique d'accessibilité généralisée. Et également, dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc nous, notre objectif dans ce dispositif-là, c'est vraiment d'être un appui du référent handicap, de l'organisme de formation dans son ensemble, sur ces situations individuelles et collectives. Je suis référente handicap au sein du réseau des Greta de l'Académie de Versailles. Notre rôle, c'est d'harmoniser les pratiques au sein des 4 Greta et du JPEP-CIP, et également d'accompagner les équipes sur site pour l'accueil des personnes en situation de handicap. La signature de la charte d'engagement AGFIP que nous avons effectuée aujourd'hui, c'est un point extrêmement positif parce que ça va nous permettre plusieurs choses, de continuer évidemment le travail qui a été entamé depuis de nombreuses années sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Elle renforce notre poids au sein des structures, elle permet une légitimité aussi avec la constitution d'un groupe projet. Et ce groupe projet, il est très important parce qu'il est constitué de différentes fonctions au sein des structures. Jusqu'à présent, il y avait une référente handicap, c'était une conseillère en formation. Et maintenant, il va y avoir tous les corps de métier qui vont être associés à ce groupe projet pour réfléchir ensemble à notre amélioration par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap. C'est vraiment une démarche collective qui vise à améliorer l'accessibilité de nos dispositifs de formation et apporter la réponse la mieux adaptée. Pourquoi le JIP et le réseau des Greta signent-ils aujourd'hui la charte d'engagement avec la GFIP? Rendre accessible, c'est faire société en levant des obstacles qui soient systémiques, environnementaux et comportementaux, et qui empêchent une personne d'atteindre son plein potentiel. Quel est l'engagement du JIP et des Greta? Eh bien, en fait, l'engagement s'articule en 4 points. Réaliser un état des lieux, identifier les axes de progrès, évaluer les structures chaque année dans ce qu'elles ont mis en place et communiquer, bien évidemment, sur tout ce que le réseau aura pu faire pour favoriser cette inclusion.